Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Eric, bonjour à tous. Je suis content d'être à vos côtés pour ce match. Et dans ce match, nous allons retrouver Leicester face à Manchester United. Et du côté de Leicester, voici les joueurs qui vont débuter la rencontre. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est devenu un peu rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition de Manchester United qui s'affiche. La voilà la frappe. Oh, ça va être dedans. Il marque sur la première occasion du match. Quelle frappe dans la surface, et là, il va trouver la lucarne en force. Le ballon qui vient se loger juste sous la barre transversale. Ah, quel début de match tonitruant avec celui des de premiers instants. Mais à quel moment. Le classement, Pierre, il n'y a pas grand-chose à dire. À part que de ce championnat, il y a quand même une équipe qui domine très largement les autres. Oui, Hervé, ça se passe de commentaire. On a fait une telle puissance. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Tourner en attendant une brèche dans cette défense. Il fait le pied de Munoz. Et finalement, l'arbitre signale un jeu. Un terminé là. Mbappé. Ouais, c'est bien taqué. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ah, elle a du potentiel sur cette attaque, ça peut bien faire un but. Le centre était bien avancé, mais le défenseur a très bien mis la trajectoire du ballon. On récupère ce ballon dans notre jeu. Les 30 derniers mètres. Et la passe. Ah, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus proche. Ils construisent patiemment les attentes d'ouverture. Il prend sa chance. Il n'a pas perdu. C'est une touche pas mal placée. Ouais, là je vite la touche. Ça va vite. Ouais, le ballon qui s'appuie bien. Allez, qui va reprendre ce ballon. Marquel Breton. Mendy. Carrasco. Il récupère le ballon sur cette interception. Non, ça ne passe pas. Marcao. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le tir de fantôme. Le joueur qui pourtant dans une situation idéale pour marquer. Peut-être que le joueur qui passe pour un moment qui arrive. Ça va être très vite. Marquel Breton. Il s'approche de la ligne de vérité. Il est en position pour centrer. Et il contre ce centre. Construise, il faut tourner. Il élimine son vis-à-vis. Attention, le centre. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. Denis Drinkwater.
défense qui récupère le ballon sur ce corner mal négocié. Christophe Fuchs, on voit qu'il ne se précipite pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps et reprennent la tête. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement 1-0. Il a signé une bonne première période, comme je trouve. C'est mon ami Pierre, vous avez pensé quoi de sa performance? C'est lui qui s'en est complètement à la pause, c'est beaucoup marqué. Le début de la seconde période à l'instant, Manchester United qui fait la course en tête pour l'instant. Choisit la frappe. Falcao. On peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. C'est rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent dans le dernier geste, dans la première terre. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Pour Manchester United, Falcao. Et j'espère que ça vous permettra de suivre le championnat d'Angleterre avec cette rencontre. Leicester City affrontera Watford à l'extérieur. Ce qui promet encore beaucoup d'engagement, comme toujours en première ligue. Oh, c'est l'interception. Mbappé. Attention, ça peut être dangereux. Bon gémissement du défenseur sur cette interception. Cette attaque qui avorte finalement. Il faut tomber, pas maintenant. On a peut-être une bonne occasion. Finalement, ce ballon a rendu l'adversaire. Amène-le ça. L'appel de Barilla par son profondeur. Et là, ça fait but. Mais Barilla par son profondeur qui passe à quelques millimètres sur la transversale. Ça va être un filet parce que là. Tourner, on essaie de faire sortir un petit peu l'adversaire pour passer une flèche. Les 20 dernières minutes à Rosison. Marc Albrighton. On s'approche de la zone de vérité. On va passer que trois faire son entrée sur le terrain. Peut-être une égalisation. Oui, ça circule bien, on construit tranquillement. Ça coupe. Ça va. 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 Ça va.
L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement à gauche. Encore une passe. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans cette intervention. On le sait. 2-2, alors que l'on est approche de la fin du match. Qu'est-ce que prend le club pour cette l'entraîneur a décidé de faire un changement. Alors, sortie de but. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre sur ce score nul, le début partout. Je trouve qu'il a été plutôt bon dans cette rencontre. Des équipes qui ont été sur la scène.